Aujourd'hui, nous allons faire une séance de yoga qui portera sur le souffle avec la pratique de la respiration Ujjayi, qui veut dire en sanskrit victorieux. L'essence du yoga se trouve dans la respiration. En yoga, on effectue des postures, des asanas, en respirant et on garde le mental dans le moment présent. Vous allez vous installer, on va se mettre en posture assise. Assis dans une posture confortable, votre dos doit rester droit. On détend les épaules. On prend conscience de notre respiration. On est à l'écoute. On maintient l'attention sur notre respiration sans laisser vagabonder les pensées. Maintenant, on va inspirer et expirer uniquement par le nez. Et on va produire un son rauque à l'expiration. Ce son ressemble au bruit apaisant des vagues. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez, votre respiration ressemble au son de l'océan. Votre respiration ressemble à une vague. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Je vous laisse quelques instants à votre respiration. Maintenant, on va inspirer en deux temps et on va expirer en deux temps. Concentrez-vous uniquement sur votre souffle. On vit le moment présent. Maintenant, on va inspirer en deux temps et on va expirer en quatre temps. Si vous êtes débutant, vous pouvez éventuellement rester sur deux temps d'inspiration et deux temps d'expiration. Inspirez. Expirez.
Concentrez-vous sur votre souffle, sur votre respiration. Maintenant, on va inspirer la paix et lorsque vous allez expirer, vous allez ressentir la paix qui va circuler en vous. J'inspire, je laisse rentrer la paix. J'expire, je ressens la paix circule en moi. Vous ressentez la paix, le bien-être. Vous êtes dans l'instant présent. Vous êtes concentré sur votre souffle, sur votre respiration. La respiration est le reflet de nos émotions. L'essence du yoga se trouve dans le souffle. L'homme ne peut pas vivre longtemps sans respirer. Une respiration profonde, consciente, contribue à ralentir le rythme cardiaque. Cela apporte un apaisement nerveux. J'espère que cette séance vous a fait du bien. À très bientôt. Namasté, Candice.